Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez masquer des colonnes sur Excel, le logiciel de tableur de Microsoft. Pour ce faire, j'ai créé une petite feuille de calcul exemple. D'ailleurs, il y a plein de choses intéressantes sur cette feuille de calcul, comme des menus déroulants ou encore de la mise en forme conditionnelle. Si ça vous intéresse, je vous mets des vidéos en description. Maintenant, pour pouvoir masquer une ou plusieurs colonnes sur le tableur, eh bien, vous sélectionnez là où les colonnes que vous souhaitez masquer, par exemple la colonne C et la colonne D, puis vous faites un clic droit juste ici, puis masquer. Et de cette manière, maintenant, les colonnes C et D ne sont plus affichées sur votre tableur. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire et à vous abonner à la chaîne pour suivre plus de tutos et d'astuces en une minute.